Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Souvent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du péché X. Je vous ai dit que c'est un péché sexuel qui ouvrait la porte à de grands démons. Oui, et oui. Je vous ai donné plein de détails que la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, elle va apparaître ici sur l'écran à la fin de cette vidéo qui est ici. Dans cette vidéo qui est ici, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je viens de me réveiller quand je suis tombé sur cette information que j'aimerais partager avec vous. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est que cette fille que vous voyez là-bas, là où il y a la tête émoji, là. Cette fille-là, elle a été libérée par un garde pénitentiaire. On dit, mais comment? Avec ce que tu as fait, on t'a condamné, comment est-ce qu'il peut te libérer comme ça? Et quand elle s'est mise à expliquer hein, ce que le gars lui a fait, ou encore ce qu'elle a donné au gars pour être libre, vraiment, vous n'allez pas croire. Écoutez l'histoire. Elle dit que, effectivement, elle a volé, elle a pris une chose qui ne lui appartenait pas, on l'a condamnée pour plusieurs années. Mais, arrivée là-bas, elle se lie d'amitié avec un garde pénitentiaire. C'est-à-dire, ce garde-là, c'est la manière, elle a dit que de la manière où vous voyez là. Elle a su que ce gars-là pouvait l'aider. Et voici comment elle s'est collée à lui. Et les deux échangeaient quand même quelques mots. Et un jour, elle lui a posé la question, soit, mais est-ce que tu peux vraiment m'aider à sortir d'ici parce que j'en ai marre de rester ici en prison. Il a dit, ah, tu en as marre de rester ici en prison. Ok, en tout cas, ta situation là, c'est un peu difficile, hein? C'est un peu dur, mais je vais voir ce que je peux faire. Il était là, il a tourné, tourné, tourné jusqu'à. Il a dit, ok, bon, pour ton cas là, ce que je peux faire, c'est que je vais ouvrir la porte et tu vas t'en aller. Mais, avant, j'aimerais que tu me donnes ça bien. Vous savez de quoi je parle, hein? Il dit, j'aimerais que tu me donnes ton haricot là. Tu me donnes ça bien. Comment les gens appellent ça même sur Internet? Ton piment. Voilà. Il dit, mais avant, j'aimerais que tu me donnes ton piment. En fait, il demande à la fille de coucher avec lui 4 bonnes fois avant qu'il puisse la laisser partir. Oui, est-ce qu'il a demandé à la fille? La fille aussi, elle dit, ah bon, c'est juste ça, et 4 bonnes fois seulement. D'accord? Voici comment. La nuit est tombée, il a attendu que tout le monde, que l'endroit soit calme. Et le policier a ouvert la prison de la fille et il est entré là-bas. Il a commencé à coucher avec elle dans tous les sens, dans tous les orifices, même dans l'oreille ou dans le nez ou dans où il a fini avec elle. Quand elle a fini, il a dit vraiment, toi, tu es sucré. C'est l'information que j'ai reçue, hein. C'est ce que je vous transmets avec les mots qui peuvent vous aider à bien comprendre l'affaire. Il dit, oh, vraiment, ton haricot, vraiment, est trop sucré. C'est vraiment bien. Hein? Merci pour les services rendus à l'État. Et voici comment le monsieur, hein, il va maintenant ouvrir la porte et laisser la fille partir. Maintenant, il a dit que, ah, mais si elle est partie, c'est bien. Elle peut maintenant bien s'évader, elle peut aller. Elle peut même quitter le pays et tout ça. Mes frères et sœurs, quand elle a quitté cet endroit,
On nous dit qu'elle s'est rendue chez ses parents. Elle arrive chez ses parents. Elle trouve ses parents là, y compris son père. Dès que son père l'a vu, son père a dit: Ah! Une année, c'est quand même pas 2 jours. Toi, tu es entré là-bas, là. Ça n'a même pas duré. Et puis, tu es dehors. Que se passe-t-il? Parce qu'on ne comprend pas. C'est là. Elle a dit: Eh, si, je vous explique ce qui s'est passé. Hein. Vous-même, vous n'avez pas quoi. C'est là, elle a expliqué à ses parents qu'elle a donné son patrimoine au grand pénitencier. Il a bien visité les maisons. Il a bien visité les chambres. Quand elle a fini, il a dit: Vraiment, tout est propre. Alors, je te laisse partir. Il a ouvert la porte et c'est comme ça. Elle est sortie. Son papa dit: Ah bon, donc c'est ce que tu allais faire là-bas et toi, t'as libéré. Avec le crime que tu as fait avant d'y entrer là-bas. Ok, en tout cas, retourne d'où tu viens. Son papa lui dit de retourner là d'où elle vient. Elle pensait que c'était de la blague. Son papa l'a pris et il a allé la jeter entre les mains du commissaire. Quand le commissaire l'a vu, il dit: Aïe, toi, tu es censé être en prison, non? Qu'est-ce que tu fous ici? Quand elle a expliqué ce qui s'est passé au commissaire, lui-même était étonné. Il y a bon sérieux. Donc, c'est un garde pénitentiaire qui a couché avec toi. Elle a donné son nom, elle a donné toutes les informations sur lui. Et le monsieur aussi, le garde pénitentiaire, a été arrêté. Seigneur Jésus-Christ, juste à cause du péché X, juste à cause du sexe. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment le péché X peut. Est-ce que vous avez vu jusqu'à où le péché X peut aller? Quand vous disiez dans la vidéo précédente que le péché X ouvrait la porte à des grands démons, vous voyez maintenant, non? Là, c'est la porte de la prison qui est ouverte. Mais pas seulement. Il y a d'autres problèmes qui vont surgir. Parce qu'une fois qu'on attrape un garde pénitentiaire mêlé à une telle histoire avec les détenus, ce qui se passe, c'est qu'il ne pourra plus exercer son job. Soit il est renvoyé, ou voilà, c'est un truc du genre. En tout cas, il ne pourra plus exercer son job. Dans le cas de ce monsieur, il a couché avec une détenue, il l'a libéré. C'est aussi un problème, hein? C'est comme un crime. Donc, il va être jeté aussi en prison. Vous avez vu ça? Alors qu'il faisait son job tranquillement, il n'y avait pas de problème. Il a fallu qu'il décide de coucher avec une détenue et que la porte de la prison lui soit aussi ouverte. Vous voyez comment le péché X détruit la vie des gens. Si vous êtes allé à l'école, vous avez fait de longues études, vous avez donné un cadre pénitentiaire, vraiment, attachez vos ceintures. Et ça, là, c'est un cas parmi des cas. Hein. Dieu se sait ce qui se passe là-bas en prison. Dieu se sait. Mais lui, malheur pour lui. Toujours le voleur, même si le propriétaire, on l'a attrapé aujourd'hui. Maintenant, la fille, elle est là. Son visage apparaît sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai préféré cacher son visage. Vous voyez, non? Je n'aime pas tellement exposer les gens. Et voilà. Vous voyez. Ce que j'aimerais ajouter, c'est, mes frères et sœurs, vraiment, ne jugez pas le chemin rapide pour pouvoir avoir quelque chose dans la vie. Parce que ça conduit toujours vers de plus grands problèmes. Oui. N'aimez pas la facilité. Si elle avait pu juste à peine tranquillement, elle serait sortie.
Mais là où elle est retournée encore là-bas, ils vont augmenter sa peine. Hein. Ils vont faire encore plus d'années, ils vont acheter des années aux années qu'elle était censée faire. Et le monsieur, sa vie est gâchée comme ça. Hein. S'il a une famille, sa famille sera dans le problème. Même s'il a une femme à la maison, sa femme sera dans le problème. Elle va dire quoi? Elle va dire, hé, mon mari, chaque matin, tu quittes la maison, il dit, tu vas au travail. Jackie, tu t'as binda les filles là-bas. Tu t'as couché les filles là-bas, des autres. Hein? Donc, c'est ce que tu fais. Il n'est jamais facile de résister à la tentation. Mais souvent là, ce sont les hommes eux-mêmes qui sont la tentation, qui vont créer la tentation. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas, les frères et sœurs, que vraiment, derrière le péché sexuel, se trouve trop de problèmes. Trop de problèmes qu'on ne peut pas citer ici. Ça vient s'ajouter à ce que je vous ai dit. C'est pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo. Le péché sexuel, le péché contre nature, le péché qui n'est pas réglo là, c'est-à-dire le péché qui, c'est-à-dire le péché sexuel, qui est le rapport, qui reprend le rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées là. Ça, c'est un problème sérieux qui crée d'autres problèmes. Beaucoup de problèmes même. Comme ça aussi. D'abord, il dit que il y a l'humiliation dedans. Derrière le péché sexuel, il y a l'humiliation. Derrière le péché sexuel, il y a la honte. Parce que quand le policier là, il va exposer son visage, quand le garde pénitentiaire, quand il va exposer son visage, il va avoir honte. La fille aura honte. Oui, derrière le péché sexuel, il y a aussi la mort. Oui, la mort. La mort. Maintenant, voici des détails. Comme les gens qui sont renvoyés parce qu'ils ont couché avec des détenus ou bien des patrons qui sont mis en prison parce que ils couchent avec toutes les filles qui viennent demander de l'emploi de leur entreprise. Et c'est ça, hein? C'est ça aussi. Les bâtons qui sont là, dès que vous arrivez chez eux, dès que vous êtes jolie, c'est bon, ils veulent coucher avec vous. Ils vous disent que vous avez le diplôme, vous avez la compétence, mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Il faut que vous couchiez avec lui d'abord, avant qu'il puisse vous donner un poste. Certaines filles acceptent, d'autres filles n'acceptent pas. Et il continue dans ça. Hein. Il a même aménagé un espace dans son bureau où va bien bida les filles là-bas. Et ça, c'est son travail. Ça, c'est son travail. Il ne sait pas que quand il couche avec une fille, il prend des démons en elle. Il la jette pour lui là d'abord. Il va coucher avec 10 000 filles. Imaginez combien de démons il s'est amassé. Maintenant, toi, la fille chrétienne, tu vas arriver là-bas. Il veut prendre ses plus de 10 000 démons là pour les jeter en toi. C'est pour toi qu'il fait cette vidéo. Vraiment, c'est dur la vie, mais la facilité, c'est pas une bonne affaire. Une personne qui veut coucher avec toi pour te donner du boulot. Ne sacrifie pas ta vie, ton âme, pour si peu de choses. Vraiment, restez fort. Dans ce monde, comme je vous l'ai dit, il y a trop de tentations, mais ça va aller. Le boulot de ce monsieur est gâté comme ça. Et voici ce que représente. Voici ce que peut faire le péché sexuel. Le péché X. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Vous, à la place de ce cadre pénitentiaire, que voulez-vous faire? Moi, franchement, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais vraiment pas, mais bon, maintenant j'ai changé. Si je suis à voir là, je serais capable de faire comme ce que le monsieur a fait. Hein? Même pire que ça. C'est pas de la blague, c'est parce que à cause de Dieu, beaucoup Dieu m'a transformé un peu. Vous voyez, non. Sinon, là, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des sorciers. Soyez prêts.